Attendez, j'ai pris des notes. Avant de faire ma proposition, je vous raconte une petite histoire. Moi, je suis tourneur-friseur dans une usine aéronautique, qui est une usine de merde, avec des salaires de merde. On était traités comme des chiens, où, depuis 40 ans, t'avais eu aucune lutte, aucun acquis. Et au bout d'un moment, on en a eu marre. C'était la peur qui régnait dans l'usine. Au bout d'un moment, on en a eu marre. On n'est que des jeunes comme ça dans cette usine. On a commencé à relever la tête. On s'est organisé en assemblée générale comme ici. On a commencé à menacer de grève. On a commencé à parler des gilets jaunes. On l'a mis sur la voiture. On a commencé à dire qu'on veut des hausses de salaire. On veut pas être traité comme des chiens. On a commencé à faire tout ça. Et avec le truc des gilets jaunes, ça fait un cocktail. Ils sont terrorisés de la grève. Et alors qu'ils n'avaient jamais rien lâché, ils ont lâché 10% d'augmentation de salaire. Le salaire brut. Je suis très heureux de vous raconter ça maintenant. Donc ça, c'était avant la proposition. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que dans le pays, c'est généralisable. Je pense qu'ils sont tous terrorisés par la grève. C'est pas que mes patrons à moi. Ils sont tous terrorisés par la grève. Et je suis sûr que tous, ici, ce dont on rêve, quand on parle de bloquer l'économie de 68, etc., on rêve qu'il y ait une grève générale dans le pays. Une grève générale. Un jour, on bloque toute la production. Toute la circulation, il y a des points de blocage, de rond-point devant les usines et dans les bois, dans les usines, on fait la grève générale. Qu'est-ce qui nous a empêché de faire ça pour l'instant? Pourtant, nous, on a fait une section syndicale dans ma boîte pour se défendre. Mais qu'est-ce qui nous a empêché? C'est les directions syndicales qui se sont réveillées à l'acte 5 pour dire on va faire peut-être une petite convergence, que signer des communiqués intersyndicales de merde. Nous, les petits syndicalistes d'en bas, on s'est battus contre la tête de nos syndicats. Je vous invite tous à le faire dans vos boîtes, à vous défendre. On peut le faire. J'ai presque fini. Et je pense que le mouvement des gilets jaunes, il a commencé à faire reculer Macron sur certaines choses, même si c'est des petits reculs. Il a fait reculer. Il a mis une leçon au mouvement social. Il a gagné la légitimité d'appeler lui-même à la grève générale, de l'exiger aux directions syndicales. Je pense que on peut, et moi je propose, et si je fais une proposition, c'est pour qu'elle soit votée, vous démerdez comme vous voulez, vous l'écrivez sur les papiers, j'en sais rien comment elles sont votées les propositions ici à l'Assemblée Générale, mais c'est pour qu'elles soient votées, qu'on appelle, on exige la grève générale dans le pays à tous ceux qui sont sans syndicat, les syndicalistes à la base, chaque structure, ils doivent faire des appels à la grève générale début janvier. Je pense qu'on peut faire une grande journée de grève générale, j'ai fini.